Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc cette fois on fait l'intro au bord d'une plage là au Canada. On est dans le parc national de Kouchibougan ou un truc comme ça, je sais plus trop comment on le prononce. Et là cette semaine on va faire un truc un peu incontournable au Québec. C'est le tour de la Gaspésie, là ça va nous prendre au moins une petite semaine. Et du coup bah, c'est ce qu'on part faire cette semaine. Et par contre les plages au Canada, faire gaffe, hein, y a des méduses un peu partout, elles sont un peu couleur violette. Elles sont assez balèzes, je pense pas qu'elles piquent celles-là. Mais du coup ouais, faut faire gaffe quand on se baigne et quand on marche sur la plage. Je marche, j'esquive la méduse. Ce soir on reste sur le thème de la plage, parce qu'on dort juste à côté de cette plage là. Les couleurs elles sont assez folles et on le voit sûrement pas, mais en fait juste en face il y a la Gaspésie, donc c'est où on va aller demain. Alors j'espère que le temps sera un petit peu amélioré parce que ça a l'air de pleuvoir là-bas. Et le ciel là c'est assez fou. Hein. Bon, aujourd'hui on va voir des fossiles du coup. Enfin, une falaise avec plein de fossiles normalement. Et on a perdu le groupe, il faut qu'on le retrouve. Alors Ambrine, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur l'activité fossile ? Eh ben, on a eu des explications d'une dame sur comment les fossiles se forment et comment les trouver. Bon, on n'a pas eu de chance, on n'a pas trouvé de fossiles. Ah, attends, c'est pas encore, maintenant il faut qu'on cherche. Non, elle a dit qu'on n'avait pas le droit de casser les cailloux. Non, elle a dit qu'on n'avait pas le droit de casser les cailloux, mais elle a dit qu'on avait le droit de chercher. Et si on en trouve, eh ben, on n'a pas le droit de le récupérer. Par contre les Canadiens ils sont aussi peu disciplinés que les Français. Hein. La guide là, elle a dit surtout ne péter aucune pierre. Ben, elle est partie, là, ça fait 5 minutes qu'elle est partie, il y a tous les enfants, tous les adultes qui chopent des pierres, ils essaient tous de les péter pour voir s'il n'y a pas un fossile à l'intérieur. Il y a un truc qui se fait beaucoup au Canada, c'est ça. Ils ont ces genres de grosses caravanes là qui peuvent tirer, ils appellent ça des roulottes. Et en fait il y a plein d'endroits où on a l'impression que juste ils achètent un terrain. Et ils posent leur roulotte sur le terrain et ça leur fait leur petite maison de vacances. Et après l'hiver ils enlèvent leur maison, il reste plus que le terrain. Et là ils se sont carrément fait un petit truc là pour poser les tables et tout. Et ça c'est un truc qu'on en voit énormément, des choses comme ça. Alors comment faire la différence entre un Canadien et un Français ? Le Français il a une grosse veste. Et le Canadien, ça si on va réussir à les voir, et ben, il se baigne là dans la mer avec le vent. La mer je pense qu'elle est à 12-13 degrés sûrement. Ah, peut-être un peu plus chaud ici quand même. Bon, et ben on a passé une bonne petite nuit là à côté de notre plage. Il y a des gens qui sont arrivés dans la nuit là pour dormir avec des tentes sur la plage. Et là aujourd'hui on va faire deux choses. On va aller à la ville de Percé pour voir le rocher Percé qui est un des trucs à voir en Gaspésie. Et surtout ce soir on va faire un truc qu'on attend je pense avec Ambrine depuis un petit moment maintenant. C'est aller se faire un vrai bon resto. Parce qu'on est allé un peu manger dehors à certains moments mais c'était quasiment que du fast food, donc juste des hamburgers. Et là on va faire un resto qui est très réputé dans la région. Et sa spécialité bah, c'est le homard, parce que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de homards ici. Donc on va se faire ce resto ce soir. Qu'est-ce que tu veux comme place Ambrine ? C'est toi qui choisis là. Thank you.
maintenant on est parti pour une petite heure de marche pour aller voir, pour traverser l'île et aller au niveau des falaises là où il y avait tous les oiseaux. Sauf qu'il faut pas qu'on traîne parce que le dernier bateau il part à 17h et là il est quasiment 15h je crois. Donc on a une heure aller, une heure retour si on veut passer un petit peu de temps là-bas. Donc c'est parti. Voilà, Ambrine, comment tu fais maintenant? On vient d'avoir un cours, mais je suis pas sûr encore. Ambrine commence à attaquer le homard. Tiens. Je crois qu'il disait qu'il fallait le mettre au-dessus du... C'est qui de ces... Ensuite, étape 2, casser la pince. Ça se passe toujours bien. Vous allez la voir. Je fais la tentative. Ah, elle tite un peu, hein. Pourquoi ils sont en train de se broyer? À plat, avez-vous essayé? Au lieu de se côté, mettre la chose à plat. Non, elle est trop petite pour être à plat. Voulez-vous que je vous aide? Je vais voir. Tout a sorti en même temps, je crois. Bon, on a réussi à en venir à bout au final. C'était comment, Ambrine, ce homard? C'était difficile à avoir, mais c'était bon. Ouais, c'était bon, mais difficile à manger.